Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Viens, mon frère, et humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Viens, ma sœur, et humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Shalom, paix et joie. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes rassemblés en ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour le souffle de vie que tu renouvelles encore une fois ce matin. Merci pour la santé du corps. Merci de ce que tu nous as réveillés en pleine forme en ce matin. Nous voulons marcher dans l'humilité, vivre dans l'humilité, nous avêter afin que Seigneur, toi, tu puisses t'élever en nous et te glorifier en nous. Bien-aimés, la page d'évangile aujourd'hui, Jésus nous dit, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux. Ne faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Amen. Que le plus grand d'entre vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette parole de bénédiction qui nous appelle, Seigneur, à nous abaisser, à être serviteurs comme toi tu as fait. Que nous puissions nous humilier afin que toi, Seigneur, tu puisses te glorifier en nous. Humilie-toi devant Dieu, il veut t'élever. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Viens, mon frère, et humilie-toi devant Dieu. Il veut t'élever. Viens, ma sœur, et humilie-toi devant Dieu. Ton Père, ton Dieu, il veut t'exaucer.
jamais. Humilie-toi devant lui aujourd'hui. Il veut t'exaucer. Viens, ma sœur, présenter ton offrande devant le Seigneur. Viens présenter ta demande devant le Seigneur et tu verras qu'il est fidèle. Il va t'exaucer. Humilie-toi devant Dieu. Il va t'exaucer. Viens, ma sœur, et humilie-toi devant ton Père. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Viens, mon frère, devant ton Père et demande-lui. Car lui, avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait ce dont il a besoin. Et il agit puissamment. Donc, mon frère, il veut te bénir. Ah, hé, hey, mon frère, humilie-toi, ma sœur, humilie-toi devant lui. Il veut t'élever, te bénir, t'exaucer. Humilie-toi devant Dieu. Dieu veut me bénir. Dieu veut me bénir. C'est pourquoi je m'humilie devant lui. Je m'abandonne à lui. Il va m'exaucer. Dieu veut me dépouiller de ce vieil homme. Dieu veut me dépouiller. Je m'humilie devant lui et je laisse faire que sa volonté. Il veut me faire du bien. Viens, ma sœur, viens, mon frère, et humilie-toi devant le Père éternel. Comme Anne, la mère de Samuel, présente-toi devant le Seigneur par tes murmures et tes gémissements et présente-lui tes faiblesses, tes désirs, tes demandes, afin que selon sa sainte volonté, il les accomplisse pour sa plus grande gloire. Oui, Seigneur, je sais que tu veux m'élever aujourd'hui, mais donne-moi, Seigneur, d'avoir cette humilité, de m'abaisser, afin que toi, le plus grand, tu puisses t'élever et te glorifier en moi. Que tout en moi, Seigneur, te rende gloire. Que tout en moi, Seigneur, te rende gloire. Tout au long de cette journée, Seigneur, je veux m'exercer à cela. Te glorifier en chaque pas, te glorifier en chaque parole, te glorifier en chaque pensée, dans tout ce que je ferai durant la journée, Seigneur. Je veux glorifier ton saint nom. Montrer que je t'appartiens, Seigneur. Être un autre Christ. Là où je suis, afin que tous ceux qui me verront sachent que c'est toi qui vis en moi. Bénis-moi, toi qui es le Père de miséricorde, qui m'aime tel que je suis et qui me tend la main, moi qui suis faible et pécheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.